So am I still waiting for this world to stop hating? Can't find a good reason, can't find hope to believe in. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Kingdom Hearts 1.5 HD Remix. Kingdom Hearts 1.5 HD Remix, voilà qui, voilà, c'est Kingdom Hearts, je fais n'importe quoi, voilà. Et voici, on se retrouve sur l'épisode je sais plus combien, je sais jamais les noms de mes épisodes, c'est super. Tout ce que je sais, c'est que c'est aux alentours des 20-21. Et qu'on avait terminé la forteresse oubliée dans son intégralité, on avait scellé, c'est tout bon, on a tout scellé. Et le monde restant, c'est ce point d'interrogation là, avec un niveau de combat très élevé. Et je pense que je vais y aller directement, puisque je me suis déjà équipé à Traverse, qui est ici d'ailleurs. Mais j'ai toujours pas la cube des tumas, si jamais. Hein. J'ai eu un peu la flemme de farmer les objets, du coup, bah, je suis toujours avec mes Killblades de. Souvenir perdu, il me semble. Je crois. L'une des Killblades de Roxas. Bref. Puisque quelqu'un l'avait précisé dans le commentaire et j'ai oublié de le préciser dans la vidéo, au moins c'est précisé maintenant. Donc bon, ça devrait pas trop gêner, ces phases en vaisseau un peu mal faites. Hein, franchement, c'est quand même dommage qu'ils aient pas rétabli ça pour ce remake HD alors que ils auraient pu, franchement. Parce que c'est pas très joli quand même, hein, enfin voilà quoi. Et bon, le truc que je trouve quand même assez inutile, et que vous voyez que je n'ai jamais fait, c'est la customisation du vaisseau, parce que ça sert à rien dans ce jeu, on est bien d'accord que ça sert à rien. Je veux dire, je l'ai déjà fait au moins 3 ou 4 fois quand j'ai fini le jeu, pas forcément celui-ci mais le premier du nom, on peut le faire avec le vaisseau de base sans rien modifier. Donc franchement, ça nous sert à rien, purée, je me chope tout à la gueule. À part à peut-être pas crever facilement, oui, ça peut-être, éventuellement. Mais bon. J'ai pas trop la maîtrise du véhicule, là, si vous voulez tout savoir. Donc bon. Oula, alors là, on va passer dedans. J'espère qu'il y aura de la vie. C'est de la vie, ça? C'est pas de la vie. C'est des blocs qui... Ah, ça, c'est de la vie, ça. Ça, c'est bien, ça. Je reconnais la vie, maintenant. Parce que c'est un petit moment que j'ai pas fait ce truc-là. Oui, je cherche des excuses, hein. Pour combler ma faible capacité à voler en vaisseau. Ma faible performance. Mais bon, à part ça, tout va bien. Allez, on prend le truc. Oh, on n'a pas pu. Génial. Franchement, on dirait même pas des astéroïdes. On dirait du corail qui sur... Enfin, qui, je sais pas, des bouts de montagne, des bouts de colline. C'est bizarre, quoi. C'est sûr que dans Kingdom Hearts 2, c'est beaucoup mieux. De ce côté-là, je peux pas dire. Oula. Alors là... C'est très mauvais pour moi. Très très mauvais. Je suis déjà étonné d'être arrivé aussi loin sans crever. Ah, mais il y a de la vie là, c'est bien. Beaucoup de vie d'ailleurs. Que je viens de tout louper. Mais bon. Ça va, j'ai toute ma vie là, ça va, ça va. Donc vous voyez, avec un vaisseau de merde, on peut quand même le faire. Ça sert à rien sinon, hein, de customiser son machin. Je me rappelle qu'une fois j'étais en incapacité de voler parce que j'avais configuré un truc et je savais plus comment faire pour plus le déconfigurer, on va dire. Du coup, bah... Enfin, je veux dire, remettre le truc de base, du coup, bah, ça faisait de la merde. Ok. Fin du monde. Bah, on va descendre, hein. C'est très accueillant comme nom, vous pouvez le voir. Moi, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup. Et si vous aimez pas, bah, pas grave. As du pilotage, mais j'ai fait de la merde et je débloque un trophée as du pilotage, quoi. Je me suis chopé tous les astéroïdes, mais as du pilotage, oui. Parce que j'étais trop rapide, c'est pour ça. Bon, on va se garder maintenant qu'on est là. Par contre, je garantis pas ma survie. Je pense que je vais quand même ramasser un peu des morts cette fois-ci, parce que je sais qu'il y a des ordres d'ennemis, c'est pas possible, quoi. Enfin, c'est pas que c'est pas possible, mais faut s'accrocher. Ouais, donc comme les vidéos précédentes, j'essaie de pas d'en faire de trop longues. 25 minutes, ça me paraît bien déjà. The end of the world. La fin du monde. Comme l'intonation a changé là. Gorge, is that all that's left of the worlds taken by the Heartless? Those worlds will be restored if we beat Ansem, right?
You betcha! But if we do beat him, and all these worlds become restored and disconnected, what's gonna happen to this place? And to us? Well, this is a heartless world, so maybe it'll just disappear. Huh? But no worries. Even if this place goes poof, our hearts ain't going nowhere. I'm sure we'll find our pals again. Yep, I just know that we will. Uh-huh. Yeah, you're right. I'll return this. Promise. Oui, t'as promis. Mais bon, ouais, on va retrouver nos copains vite fait, quoi. Ok, alors là, je sais que c'est le bordel. C'est-à-dire que, à part de se voir ça sur la gueule, il y aura aussi des coffres qu'on va ouvrir et qu'on aura des ordres d'ennemis dedans. Enfin, ouh, alors là, ouais, ça c'est... Ils sont dangereux, ces ennemis-là. Surtout c'est à cause de ça que je peux éventuellement crever. Mais bon, avec ma rafale, ça devrait le faire. Et vu qu'on est 3, c'est pas mal aussi. Oula. La fin du monde est très proche et moi je poutre les 100 cœurs. Je sais pas, je vous ai fait peur en chantant comme ça d'un coup, mais bon. C'était un peu le but recherché. Donc voilà, si j'étais pas concentré sur la vidéo, c'est bon. Je vous ai réveillé. Pas comme moi dans mes vidéos. Mais oui, c'est de l'autoclash, l'autodérision, je m'en fous. Ok, alors le coffre, y'a quoi là? On peut prendre ou pas? C'est juste le décor? Ah, faut prendre tous les trucs, ok. Et puis le coffre? Je veux le coffre. Non! Dommage. Ah bah. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Bout de myrtille, je m'en fous. Ah, ok, faut juste éviter. Ok, on peut pas passer par ici. Par ici alors. Hop, hop. Team in-game, team in-game. Allez, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Je parie qu'il y aura un ennemi. Bizarrement, j'étais sûr, mais... Au moins, ça nous fera level up un petit peu, c'est pas si mal. Mais bon, là, en full rafale, hein, sinon full rafale, sinon j'arriverai pas. Parce qu'ils sont quand même assez puissants et chiants. Donc je pense que la fin du monde, je la ferai pas en une fois. Oui, parce que la fin du monde, je suis en deux parties, tout le monde le sait. Non, mais c'est juste que je pense pas qu'en 30 minutes, je puisse boucler ça, quoi. Il y a encore... Il y a pas mal de trucs à faire, en fait, dans ce monde-là. Enfin, c'est pas vraiment de l'exploration, mais je veux dire, il y a pas mal de combats à effectuer. Donc bon. Voilà, quoi. Oula, toi, t'es dangereux, toi. Et surtout que j'ai pas le temps de te parer, enfoiré. Ah, merci, Donald. C'est très gentil à toi de m'avoir soigné alors que je me soignais. Oh, c'est tellement épique cette musique, j'adore. Je vais me taire un petit peu pour vous l'écouter quand même, elle est magique. Voilà, je peux ouvrir ma gueule. Vous avez profité deux secondes, mais c'est pas grave. Ok, donc en fait, on peut rester ici des heures tant qu'on n'a pas chopé les derniers trucs restants, d'accord. C'est bizarrement codé quand même tout ça. Jolie pierre. Ah, on gagne quand même un truc à la fin, pas mal. Ok, notre but est là-bas, on est là. Ça... C'est pas très rapide, mais bon. On va quand même se faire tous les coffres, je pense. Là, il devrait y avoir un objet. Méga potion. Oh, stylé. Ok. Le coffre rouge devrait y avoir un ennemi dedans, genre un gros ennemi, je pense. Genre un behemoth, tout comme ça. Je suis sûr qu'il y a ça. Ah, bizarrement, hein. Ah, je l'avais dit. Par contre, faut que je lui monte sur la gueule. Oula. Ouais, ça reste des plutôt shorts là. Peut-être que je peux éventuellement crever. Bon, tu descends là un peu là. Ah, yes, il est descendu. Parfait. Oula, moi je m'éloigne. Allez la foutre. Je vous emmerde. Moi je tape. T'as comme si je tuais des gens. C'est très logique ce que je dis, hein. La logique même. Ouais, deux sens du terme. Oula. Allez. C'est parti. Ah bah il est descendu là.
Montre-moi ta corne, espèce de petite licorne. Ok, oulala, alors là c'est dangereux. J'ai flippé pour rien. Donne-la, t'es mort, c'est pas mon problème. Moi, je bourrine. Et ça me suffira à crever aussi. Oula, j'ai vraiment du cul. C'est vrai qu'il a un corps, bon, une petite barre de vie, ça va, ça va, ça va. Franchement, ça va. Yes, il est descendu. Donald t'est réanimé, tant mieux. Ah, ça descend vite, hein. Moi aussi, ma vie va descendre vite s'il arrive à me toucher. En fait, c'est imparable, ce truc. De ce que je vois. Ta corde magique, je vais la descendre, je vais la revendre, tout ça, au marché noir de traverse. Comme ça, je vais me faire du fric, je pourrais m'acheter la ville du mort, rien à foutre des ressources et tout. Moi, je rachète même la ville de traverse carrément parce que je suis un petit foufou. D'accord. Ça veut dire non, j'imagine. Tu tiens vraiment à ta corne parce que. Moi, je pense qu'elle peut valoir très cher quand même. Et l'argent, c'est pas que ça m'intéresse trop, mais bon, ça peut aider quand même. Ça peut contribuer au bonheur dans la vie, hein. Il n'y a pas que les amis, hein. Il y a aussi la money. Pour ceux qui peuvent m'écraser. Ça, je suis pas sûr, mais. Bon, tu comptes crever. Ah, voilà, non? Ok. Oula! Est-ce que je peux. Ah, chier, j'ai que ça. Qu'est-ce qu'il fait? J'aime pas quand il tend sa corne comme ça. Très dangereux. Bon, c'est bon, il est bientôt mort normalement. On va bientôt arriver au bout de. De la nuit, jusqu'au bout de l'envie. Et voilà. Donc, en effet, je ne suis pas mort. Et c'est tant mieux d'ailleurs. Très tant mieux. Par contre, lui, il est complètement mort, mais. On va attendre qu'il se réanime, on prend tout ce qui est menise. Ah, en fait, non. Il y a un temps, apparemment. Myrti, m'en fous. Bon, bah, on va essayer d'esquiver les trucs qui tombent du ciel. C'est pas trop dur encore. Tu vas y arriver. Mais genre, mais non. Ok. Comment je peux pas prendre ça, moi. Bon, moi, j'aurai un peu de level up, mais. Mais bon. C'est pas ce que je préfère le plus. On va dire. J'ai envie d'un peu rusher aussi, mais je me dis que c'est bien quand même de level up. Parce que je crois que je suis pas à un niveau si élevé que ça, c'est pour ça. Je crois que je suis même pas niveau 40, hein, mais. Je vais y arriver après, là je peux pas trop purer, je vais mourir. Je vais vraiment mourir, Donald, aide-moi. Merci. Au moins une tâche où tu es efficace. Enfin, quelquefois. Je pars tout beaucoup. Je pars de là. What the fuck? Non. What are you fucking doing, Heartless? I'm the master of Keyblades. I'm the Keyblade master. And I will kill you. Bastards. And I will kill you. I said I will kill you. Fuck. Ah, ils sont morts les deux, c'est pour ça. Without my cameras, without my friends, I will kill you. If I want. Either I won't. Oula, ouais, je me suis fait ramasser la gueule. J'espère que je continue pas du début. Oh non, 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 alors si l'XP il est pas là, ça va pas le faire. Hein. Au début du combat quand même, si. Allez. Non, au début du combat. On va dire au début du combat, allez. Au début du combat. Genre. Ok, ça veut dire qu'il y a le coffre rouge. Ok, en fait, je suis quand même 47. Ok. Donc, allez vous faire foutre. Moi, je passe tout, hein, parce que... Non, mais non.
Rushon. Roblechon. Ah mais non, mais en fait, non. Je crois que je continue vraiment où j'étais. Parce que ces trucs là, je les avais pas vus avant. Arrêtez de vous protéger, bordel. Putain, ça sert à rien de vous protéger. Vous savez que vous allez mourir. Donc au lieu de vous protéger, laissez-vous battre. Et après, on en parle. Donc, vous serez mort. Parce que moi, j'ai pas tout mon temps, en fait. C'est juste ça. Je vais aller péter la gueule à Hansem parce que je sais qu'il s'est caché ici. Bon, toi, tu... Oh, mais Donald, d'un coup, vous servez à rien et... Franchement... Je pensais que les compagnons, ça aidait les gens, mais là, non. Ça n'aide pas trop. Pourtant, vous avez un bon niveau, non? Enfin, je sais pas, c'est juste des petits machins volants avec des ailes, là. Des... Ça devrait pas trop nous proposer de problème, normalement. Mais si je suis tout seul, c'est sûr que là, y a moyen que je crève. Voilà, genre, lui, il est mort. Et puis le prochain, là. Il me charge des boules dans la gueule, pas de problème. Donald, tu viens aider? Non mais s'il se déplace tout le temps aussi, j'ai eu peur. J'ai eu très très peur, je ne vous cache pas. Eh non mais tu violes pas Goofy toi. Enfin tu violes pas Dingo quoi. Ça se fait pas trop hein, quand même. C'est méchant. Bon tu meurs aujourd'hui. Genre le fils de chien. Le fils de poule qui vole. Pas vraiment un poulpe, mais... En fait, non, c'est pas que c'est pas vraiment un poulpe. Ça a rien à voir avec un poulpe. Je sais pas pourquoi j'ai sorti poulpe, mais... Espèce de sang-cœur volant. Tariro. Bon. Je pense que les coffres, ça va faire chier. On va pas se les farchir. Les farchir, oui. Merde, c'est pas du bon sens. C'est pas du bon côté. On peut rusher ? Parfait. Ouh alors là tu vas te faire foutre pour le deuxième behemoth, hein, je m'en fous. De tout parce que c'est la fin du monde. Oh comme ça va trop bien. Espérons que je me chope rien. Ok je peux pas. T'es obligé de faire vraiment des trucs de checkpoint, on se croirait dans une course. Course à pied. Genre ! Ah ! Putain j'ai eu peur. On nous fout des murs des fois. Mais genre, je suis juste devant. C'est parce que j'étais devant ou non? Attends. Ah, oh putain de merde. On en a encore droit. Ouais, parce que normalement il y en a trois à combattre. Le coffre rouge, enfin les deux coffres rouges plus lui. Je m'en souviens maintenant. Donc c'est vrai que c'est le bordel la fin du monde. Oula. Les gars. Vous êtes pas morts comme... Si. Non, what the f... da fuck. Mais laisse-moi te monter, merci. Putain, j'ai plus de magie. J'en aurai bientôt. Ah mais c'est qui? Merde, il est pas down, fait chier. Oh les gars, réanimé. Ah là, il est down. Putain, il est puissant ce connard hein. Ouais, au cas où, parce que je sais qu'il va faire très mal. Il fait très mal. Wow, y'a tout le monde qui soigne là. Non. Ah, hey. Mais bouge ton gros cul là. Voilà, pardon. Non, merci. Sérieux là? Chier, j'ai plus assez. Parfait. On gère, on va vendre ta petite corne au marché noir. De traverse, oh là là. Oh, purée. Je vais me faire démonter. Sérieux? Oula, oui, c'est pas mal. Oula, ça combotte là. Là c'est quand même pas trop mal, ça combotte. Sa barre de vie elle descend vite, merci Goofy. Oula. Il voudra pas jouer là, hop. Mais ça c'est vraiment imparable. Enfin, j'ai pas trouvé vraiment de moyen de le parer, donc je considère ceci comme imparable.
Oula. Allez. Franchement c'est pratique la rafale. Dommage que j'ai pas la rafale plus encore. Ou la rafale X mais... Enfin j'ai la rafale plus je crois mais j'ai pas la rafale X. Bon il est down ou il fait quoi là? Il est pas down du tout. Si si il est down. Fuck. Putain l'enfoiré. C'est bien Donald, t'es vivant. Je sais pas ce que tu fais mais t'es vivant. Ouh là là. J'arrive pas à revenir, voilà, parfait. Allez, on a juste tué un tout petit moment, c'est parfait là, allez, on va te tuer. Oula, on a pas réussi à le tuer. J'ai cru qu'il m'avait écrabouillé. Les amis, j'ai vraiment cru que c'était la fin. On lui monte dans le cul et c'est parti. T'es down ou pas? Non, pas down. Il n'est pas down. Il n'est pas, je suis pas. Non! Voilà. C'est bon là, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça, c'est bon ça. Maintenant, t'es down et on va te finir, mon gars. You will be down, you will die, you will die, you will die. Fuck, 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 fuck. Ah, on peut compter que sur soi-même. J'arrive pas à voler, il est mort. Terrassé, son destin est prédestiné. Son destin est prédestiné, quelle très jolie phrase. C'est une punchline. Bref, assez parlé de citation. Même si je parlais pas forcément de ça, mais bref, allez. Ok, alors là je crois qu'il faut. Je m'en demande où est passé en SEM. Dans ton cul, plongeons au cœur du danger, on le trouvera dans ton cul. C'est un volcan. C'est pas un volcan, non, mais. Ok. Normalement, il y a plusieurs endroits où il y aura peut-être des coffres, je pense. Je vais regarder. Est-ce qu'on peut monter là-haut? Là-haut, sur la montagne, il y avait un... Je crois pas. Écoutez, on va explorer. En mode sort à l'exploratrice, LOL. Non, pas ça. J'assume pas mes blagues. Ok, on va descendre. Ah, j'ai vu un coffre là, je crois. Oh putain. Là, il y en a un. On peut les ouvrir normalement. Hein. Un bloc forêt. Je m'en branle. Oh oh, il y en a un là. Il y en a un là. Si c'est un bloc, je m'en bats plus les couilles encore. Putain, je m'en bats les couilles. Sûrement un truc là-haut, non? Je monte, je grimpe. Donald, fais-moi la courte échelle. Ça revient un peu à quelque chose là. Bordel. Oh mais... Oh les saligots. Bref. Ne traînons pas trop par ici. Ah, il y a un coffre là encore. C'est encore un bloc de caca je crois mais... Je m'en fous de vos blocs. Vous avez pas compris la customisation. Je m'en branle vraiment. Genre j'en ai tellement rien à foutre. Oh putain le point de sauvegarde. Non mais c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Oh. Ça me fait penser au monde de Tarzan. Et... Yop. Il est où le point de sauvegarde? Il est où? Il est où? Il est où le point de sauvegarde? Il est là. Sauvegarder. Ouais, donc je pense que on va faire environ 30 minutes de vidéo pour ce Kingdom Hearts là, enfin cette vidéo là. Je sais ce qu'il y a après, je sais pas si j'arriverai à le clouer en 6 minutes parce que je suis déjà à 24 minutes avec une mort sur les épaules, mais bon. On tombe dans le trou! Moi je pense qu'on peut se le faire. C'est bien ce que je pense. C'est bien ce que je pense. C'est pas ce que je pense. Ah non, c'est pas du tout ce que je pense, il y a des trucs avant quand même. Ok. Donc en 6 minutes je peux pas. Ok, non, 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 je peux pas, c'est mort.
Mais j'ai quand même envie de finir. Bon, ça, ça peut se le faire sans rafale. On va pas trop utiliser de magie. Enfin, je pense. Même s'il y a pas mal de monde. En effet. Ah ah ah, y'a un coffre ici. Je pense que je vais le prendre. Si j'arrive, je peux pas. Alors il en reste plus qu'un à tuer. Ça va être chiant hein, d'entendre quelqu'un chanter en pleine vidéo. Je vous comprends tellement, les gars. Et meuf qui me regarde. Oh, fait chier. Vous savez quoi, je vous emmerde. Pas vous, hein, les. Les rondouillards. Fuck! Au coin, le rondouillard! Wapata! Pata 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 pouf! Putain! Putain, mais les gars! Oula, oh putain, non, je m'éloigne de toi, mon gars, je te connais pas, on se connaît pas. On se connaît pas! On se. Oula! J'ai dit on se connaît pas. Faut te le dire en quelle langue on se connaît pas. Non, à part ça, je pense finalement peut-être que je ferai peut-être ça. Enfin, le boss auquel je pensais dans une autre vidéo. Puisque là, ça risque de durer très très longtemps. Éclat de danse. Oh, mais ils sont sérieux là? Il y en a encore combien? Donc ouais, comme je le disais, je pense pas que je vais faire le boss que je pensais maintenant. Et non, ce n'est pas Ansem, c'est quelqu'un d'autre. Donc vous saurez pas qui. Je sais pas quand je vais faire, mais bon. Je vais essayer de pas trop traîner. Et puis en ce qui concerne la sortie de la version 2.5 HD Remix, toujours aussi original au niveau des noms. Je pense pas acheter le jeu à sa sortie, du coup bah vous aurez pas les vidéos bah, à la sortie du jeu quoi, ça veut dire que je prendrai un peu mon temps. Surtout que j'en ai encore à faire, hein. J'ai encore à faire Chain of Memories, mais il est pas si long que ça comme jeu, beaucoup moins long que le 1 quand même. Donc il y aura un moyen. Roi d'audace. Alors là, étant donné que je suis à 27 minutes, je pense que... on va juste terminer ça et le boss sera pour la prochaine fois. Après, j'y pense, mais bon. Oula, il y a du monde, il y a du monde, il y a du monde. Excusez-moi, excusez-moi, il y a du monde. Je fais juste quelque chose en pleine vidéo, oui. Car je n'ai pas trop le choix, donc je meuble un petit peu ce moment de pause pour vous dire que je suis à 28 minutes et voilà. Et c'est tout simplement ça que je voulais vous dire, car je dis de la merde depuis environ 30 secondes maintenant. Et maintenant c'est bon, je peux reprendre le jeu. Il faut simplement que j'appuie sur le bouton start et c'est parti. C'est tellement parti qu'on voit plus rien. C'est parti si vite qu'on n'a rien vu. Alors, c'est parti très vite. La la la, piratore chinaro. Je parle chinois, 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 chinois. Il y en a encore, sérieux? Ouais, bon, là ça va, c'est. C'est pas trop dur. Mais c'est pas trop dur. Mais c'est pas trop dur. Mais il y a pas mal de monde quand même. Concentration, cool. Ouais, peut-être que niveau tactique, je devrais peut-être... m'en servir à bon escient d'ailleurs, oui. La lila lila lila. On tue tous les sans cœur. Ah, la Keyblade. Et après, on en retue encore parce qu'on aime bien tuer les sans cœur. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Heartless. Yo, stay. When your time's come. C'est bon, on a tué tout le monde, on peut prendre le coffre, on sait pas ce que c'est, et on se barre par la petite porte. La petite porte, la petite porte. Ah non, la petite grande porte.
Je crois qu'il restera un truc et après ça je vous laisserai. Voilà, c'est la bleue. The blue one. The purple one is for another day, you know. Ok, là je vais utiliser la rafale. Sinon je vais me faire totalement annihiler par les sans-cœurs. Et ce n'est pas trop ce que je veux, car Sora... Enfin, je bafouerai un peu l'honneur de Sora qui est censé poutrer les sans-cœurs et pas mourir. Mais je suis pas beaucoup mort dans mon let's play normalement. Hein. Mais ça c'est pas sûr. Parce que bon, j'ai pas compté. Mais bon, je suis pas mort beaucoup de fois quand même. Et quand même en mode difficile, c'est plutôt chaud hein. Je suis pas en train de dire que c'est super dur, mais... Mais c'est tout quand même hein. Enfin bref, c'est pas super facile quoi. Donc voilà, moi je me dépêche de finir ces petits monstres. Enfin bon, de toute façon là, il s'est pas passé grand chose dans cet épisode, j'en suis bien désolé. Mais c'est normal, la fin du monde c'est surtout des battles et tout, j'ai dit un peu de la merde, c'est marrant. Donc voilà, ah bah ça c'est très bien, dernière fois c'est très très bien. Donc moi, je vais pas faire durer plus longtemps cette vidéo, je pense m'arrêter ici et reprendre dans une autre partie pour la prochaine fois. Parce que là c'est vrai que ça commence à faire pas mal de temps, donc 30 minutes. Bah vous aurez la suite dans pas longtemps parce que là je suis vraiment motivé pour faire des vidéos là où je vous parle. Donc du coup peut-être que j'en ferai à la suite, ça dépend. Donc voilà, j'espère qu'elle vous aura plu même s'il n'y avait que des combats. J'espère qu'on se reverra pour d'autres vidéos de Kingdom Hearts ou autres. Parce que j'en ferai, d'ailleurs finirai mon let's play des Hyrule Warriors. Et puis aussi d'un nouveau jeu, je voulais faire des vidéos de ce jeu. Mais j'y ai pas encore vraiment, enfin j'ai pas encore vraiment eu le temps. Parce que j'attends vraiment un jour précis pour le faire, mais bon. Voilà, en tout cas, abonnez-vous à ma chaîne si ça vous a plu, j'espère que vous regarderez mes prochaines vidéos, que vous allez commenter, partager et liker la vidéo. Donc on se retrouve pour de prochaines aventures, plus, prenez soin de vous.